Bonjour à tous. Alors, je me trouve à côté de l'église et vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi l'histoire du petit galet que j'avais trouvé à la grotte Napoléon à Ajaccio, je vais le déposer aujourd'hui et j'avais envie de le faire avec vous sur ma chaîne Au-delà du spirituel. Donc j'ai réfléchi à un endroit, donc j'avais été voir dans les groupes Facebook, donc vous m'avez tout expliqué ce que voulait dire LOTR, Love on the Rock. J'étais en train de réfléchir à ce que ça voulait dire, je m'en souvenais déjà plus. Donc voici, je suis devant l'église de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre. Je vais essayer de mettre un tout petit peu plus loin encore pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer dedans. Et je vais vous montrer la tour de la Madeleine. Il y a des voitures qui passent. Elle est grande. C'est magnifique. Je vous invite à venir visiter cette ville. On la voit de très très loin quand on est en campagne et on la voit dès que je sors de chez moi. J'habite quand même pas tout de suite ici maintenant. Et voilà l'église, une partie de l'église. Et donc je vais déposer le petit galet. Alors il y a des enfants qui passent par ici. Je vais pas trop le mettre aux portes de l'église parce que j'ai peur que ce soit les dames de l'église qui le ramassent. Peut-être plus sur la place de la Madeleine. Voilà encore l'église. On peut visiter la tour. Hein. Je vais vous montrer. J'espère que ça va pour vous. Il y avait un petit moment que j'avais pas fait vidéo en extérieur. Enfin, sauf quand j'étais en Bretagne. Bon, là, me voilà de retour en Normandie. Ce n'est pas le même climat, ou bien ça a changé d'un seul coup et j'ai pas chaud. Donc me voici de l'autre côté de l'église. On se demandait ce que je fais, à part toute seule, là là. Et je vais déposer le petit galet. Ben tiens, regardez, je vais le mettre là. Hop. Je sais pas si vous allez me voir. Ouais, je vais le mettre là. J'ai envie de le mettre là. Toc. On peut pas le louper, hein. Voilà, comme ça vous êtes mes témoins. Mais je ne sais pas combien de mille de témoins. Je vais reculer, comme ça vous allez le voir. C'est rigolo, hein. Alors je suis allée sur vos conseils, alors, surtout Inès. Hein. Je suis allée, voilà, il est là-bas le petit galet. Alors l'église, l'entrée est de ce côté-là. C'est très joli, je vais faire un tour de caméra. Et le petit galet est donc derrière moi. Je vais vous faire un petit tour de cette jolie petite ville normande. Alors vous voyez les maisons à colombage. Là c'est une grande place de parking. Hein. Regardez, il y a de la place. Il y a le marché ici. Donc petite ville normande typique. L'hôtel restaurant Le Saumon. Tout là-bas, il y a des petites rues avec des petits magasins derrière moi. Bon. Centre des finances, blablabla, l'office de tourisme. Et puis le parvis de l'église où nous avons déposé le petit galet. À force d'être avec les lumineux, moi je dis non tout le temps. Je dis non tout le temps, ça va finir par des... Sa Majesté. Alors là, vous avez derrière moi, regardez, une jolie maison. À colombage. Je vous dis namasté. Donc le petit galet a été déposé. Vous vous rendez compte, il a voyagé de la grotte Napoléon à Ajaccio. Il a pris le bateau. Alors je l'avais amené en Bretagne et je ne l'ai pas déposé. J'ai oublié, je voulais le mettre à Trégastel parmi les gros galets. Et bah j'ai oublié, donc c'est que c'était pas sa place. Et il sera donc là-bas. Je vous fais des gros bisous.
une Namasté. Donc j'avais été dans les groupes, j'ai retrouvé le groupe, j'ai posté j'ai les témoins, hein, c'est les membres de mon groupe et ceux qui sont sur mon Facebook. Donc j'ai posté les petites vidéos que j'avais fait où j'étais toute contente d'avoir trouvé le galet. Et je me suis fait bannir. Je me suis fait bannir des groupes. Je sais pas, ils aiment pas. Souvent, pourtant c'est pas marqué. J'étale pas ma profession, ni ce que je fais, ni tout ça partout. Mais après, peut-être qu'ils ont fouillé, je sais pas. Je me suis fait bannir. Hein. C'était un petit peu dommage parce que j'étais contente de participer à cette aventure. Je savais pas ce que c'était, le Love on the Rock. Ah bah, on peut visiter l'abbaye Saint-Nicolas apparemment le 5 novembre, donc c'est demain à 14h30. Alors c'est un endroit magnifique aussi, vous voyez. Oui, donc je me suis fait bannir, je trouvais ça moyen. Bon, apparemment c'est beaucoup les enfants de personnes jeunes qui font ça, très bien. Voilà, il est derrière, hein. Allez, on va le revoir une dernière fois. Notre petit galet, alors de la grotte Napoléon d'Ajaccio jusqu'à Trégastel, puis il est revenu à Verneuil et il est là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres instants rigolos, insolites, j'espère comme celui-là. À très bientôt.